look so good, but it can be. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, mais super bien. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël en famille, bien évidemment, ou entre amis, que vous avez bien mangé et que tout se soit très 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 bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis allée chez Action et comment vous dire que j'ai mais littéralement dévalisé le magasin. Et oui. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été, en plus moi j'adore Action, et là ça faisait énormément, ça faisait très très longtemps, hein. oui, ça faisait très très longtemps, je crois que ça date de cet été, donc voyez-vous. Hein. Donc du coup, je me suis dit, Paula, ça fait longtemps que t'as pas été à Action, va à Action, fais-toi plaisir. Alors les loulous, dans ce haul, vous allez y trouver de la déco. Il y en a pas mal, de la beauté, un petit truc ou deux de nourriture, sinon pas mal de choses aussi pour le scrap. Parce que ma fille concrètement, elle adore ça. Et moi j'en ai fait la dernière fois un petit peu avec elle et il y a pas mal d'entre vous qui font du scrap. Et à force de voir vos vidéos, bah comment vous dire que ça m'a donné envie d'essayer. Voilà. Donc voilà, si vous voulez savoir tout ce qu'il y a dans ce petit haul, suivez-moi, c'est parti, c'est tout de suite là, maintenant. Je me suis pris, on va commencer dans la nourriture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses au niveau de la nourriture. Je me suis pris ces petits pop-corn sucrés. Voilà, cette petite boîte, donc je les prends tout le temps quand je vais chez Action. Nous, on adore les pop-corns, c'est des petits sachets que vous mettez au micro-ondes. Il y en a 3 sachets de 100 grammes à l'intérieur et ils sont trop bons. Donc on en prend tout le temps. Quand il n'y en a plus, on va chez Action et on en prend tout le temps. Voilà. Alors les loulous, on continue tout de suite avec ceci. Voilà, c'est des barres aux céréales. Sésame caramel, j'en ai pris 2. Alors, pour être très sincère avec vous, je n'ai jamais pris ces barres de céréales. Mais comme je les ai vues passer dans beaucoup de hauls et beaucoup d'entre vous qui les ont achetées disent que c'est mais une tuerie, j'ai voulu essayer. Donc, j'ai pris déjà ces deux-là pour tester. Une pour moi, une pour mon homme. Voilà, mes loulous, ils ne sont pas encore là. Donc, on verra bien, on va tester ça tout à l'heure. Voilà. Ensuite, bon là ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais j'avais été au Leclerc juste avant, j'ai oublié d'en acheter, donc bah, je les ai pris à Action. C'est des sacs poubelles, tout simplement, de 120 litres. Voilà, très résistant pour la maison et le jardin. Voilà, des sacs poubelles, hein, il n'y a rien de plus banal. Donc, voilà, voilà. Ensuite, bah, je vais vous montrer ça. Alors... j'ai dans ma salle de bain, vous savez, les joints qui commencent à noircir. Donc, ça fait dégueulasse. Et j'avais dit la dernière fois à mon homme, tiens, faudrait qu'on achète de la, vous savez, de la pâte là qu'on met pour faire tous les joints, la pâte blanche là en silicone. Et il m'a dit, bah surtout, si tu prends ça, prends aussi avec le pistolet parce qu'on n'en avait pas à la maison. Donc, voilà ce que j'ai pris. Très glamour, hein. Donc voilà, donc c'est bah, la sorte de pâte en silicone, donc c'est pour les sanitaires, très forte adhérence, donc voilà, j'ai pris ça, avec le petit zigouigoui là, et puis j'ai pris bah, le pistolet, vous mettez ça à l'intérieur, je pense que vous devez connaître, hein, enfin même moi qui suis pas bricoleuse, voilà, vous mettez ça à l'intérieur et vous appuyez, enfin ça vient là, et en même temps ça appuie, puis bah, vous faites votre joint de salle de bain ou de cuisine. Donc voilà. Alors j'ai ma brosse des chiottes, concrètement, qui est morte. Donc je voulais pas racheter, vous savez, la brosse avec le socle. Parce que concrètement, mon socle, il est très bien. Voilà. Donc j'ai juste acheté une petite brosse de toilette. Voilà. Elle est propre, hein, je viens de l'acheter, hein, vous inquiétez pas. Donc pour changer avec l'ancienne que j'ai aux toilettes. Ensuite, les loulous, je me suis pris ces cintres-là. Et comment vous dire que je suis mais totalement amoureuse de ces cintres. Je les ai achetés une fois
et ils sont mais géniaux. Vous savez, c'est les cintres un peu en velours, voilà, ils sont style comme du velours. Les vêtements, ils glissent pas du tout, ils marquent pas du tout les vêtements. Il y en a 10, je crois, à l'intérieur. Ouais, c'est ça, 10. Et franchement, ils sont pas chers du tout, hein. Je vous mettrai les prix là. Et ils sont mais super bien, très résistants, nickel. Voilà, nickel, nickel, nickel. Ensuite, je me suis pris des piles, voilà, des piles Panasonic, c'est des R6 AA, voilà. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a dedans, 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y en a 12 dedans. Voilà, 12 piles. Ensuite, les loulous, je me suis pris des éponges, voilà, classique, hein, vendues par deux. Et je me suis pris, parce que ça sert toujours, des petites aiguilles, vous savez, avec le petit trou en haut. Voilà, parce que j'en avais pas à la maison et c'est vrai que franchement, ça peut toujours servir. Donc, voilà. Alors, les loulous, là, je suis trop contente. Je me suis trouvée, en plus, c'était les dernières de cette couleur-là. Les autres, elles étaient, je sais plus de quelle couleur, bleu, je crois. Un bleu pétrole. Enfin, elles étaient pas très belles au niveau de la couleur. Donc, c'était les dernières. Comment vous dire que j'ai sauté dessus? C'est ces petites chaussettes pilou-pilou, toutes douces. Il y a une paire en grise et une paire en rose clair. Et comment vous dire, je ne sais pas si vous verrez bien avec l'éclairage, mais voilà, il y a comme des petites paillettes dessus, des petits brillants. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est dommage parce qu'elles sont trop jolies. Et puis là, en dessous, sous le pied, vous savez, les petits trucs en silicone antidérapant. Donc voilà, je suis trop contente et puis elles sont super douces. Donc ensuite, les loulous, je me suis pris ces petits cotons. Voilà, c'était dans le rayon bébé, donc c'est pour le démaquillage. C'est 100% coton, il y en a 60. Voilà, donc voilà, des cotons, je vais les tester. Je les ai pris parce qu'ils sont très larges et moi, pour le démaquillage, j'adore les cotons très larges, les tout petits disques comme ça, j'aime pas du tout. Ensuite, les loulous, je vais vous montrer ceci. Regardez-moi le packaging, comment il est trop canon. C'est un truc de fou. Moi, quand j'ai vu le packaging, j'ai dit, oh là là là, il est trop beau. Et quand j'ai senti l'odeur, alors là, je suis tombée littéralement amoureuse. C'est à l'huile de jojoba et à l'amande douce, à l'huile d'amande douce. Et donc, c'est une crème pour la douche. Et comment vous dire que l'odeur, c'est une... Ah ouais, c'est une tuerie. Ça sent... Ça sent un yaourt. Oh là, je connais cette odeur, mais... ça sent... ouais, peut-être un yaourt que j'ai déjà mangé. Je sais pas. Enfin, bref, en tout cas, mais ça sent mais ultra bon. Et donc, le flacon, il est trop... Il est simplement trop joli. Voilà. Voilà, comme ceci, avec la petite pompe. Donc, voilà. J'adore. Ensuite, les loulous... Toujours dans la beauté, je me suis pris... Alors, c'est la première fois que je le vois dans mon action. Par contre, j'ai voulu acheter, vous savez, les deux palettes là qui sont à la mode en ce moment dans beaucoup de hauls. Vous savez, la palette, la rose, et puis il y en a une autre, je ne sais plus. Enfin bref, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas du tout dans mon action. J'ai pris deux autres palettes. Une palette de highlight que je voulais tester depuis un moment, que j'ai jamais, acheté. Et une autre, je crois que c'est des fards à paupières. Mais vraiment, voilà, la palette, vous savez, la... Si je trouve une photo, je vous la mettrai ici. La palette qui est en ce moment, voilà, chez Action, je ne les ai pas trouvées. Donc, je me suis pris ceci. Vous savez, c'est les gants là pour se démaquiller. Vous n'avez pas besoin de mettre du démaquillant. Lingette démaquillante, voilà. Donc... Apparemment, c'est ultra, méga, super bien. Donc, voilà, j'ai hâte de tester ces petites lingettes. Je vais l'ouvrir avec vous, mais bon, je pense que vous connaissez déjà. Hop, donc voilà. Ah ouais, et puis elle est super douce, eh. Donc là, vous avez ceci. Ah ouais, on dirait... C'est tombé, ça tombera pas plus bas de toute façon. Vous mettez vos petits doigts ici, ici, voilà. Et ensuite, bah, vous devez faire ça, je pense. Hein. Dites-le moi en commentaire parce que sinon j'aurais l'air ridicule. Je pense que ça doit être comme ça. Mais voilà, en tout cas, elle est mais
ultra méga douce. Donc j'ai hâte de la tester. Mais je crois qu'il faut la mouiller avant avec de l'eau, hein, il me semble. Hein. Non? Hein, comme si vous alliez me répondre. Sérieux, non mais Paula, non mais t'es pas bien. Hein. dites-moi en commentaire s'il faut la mouiller et après se démaquiller, ou alors si on se démaquille directement comme ça, parce que c'est pas marqué. Donc si vous l'avez déjà testé, dites-le moi. Voilà. Ensuite, je me suis pris, et là j'étais trop contente, j'ai une peau très très grasse. Donc j'ai voulu tester, c'est des petites, vous savez, les petites lingettes, la matifiante. Voilà, qu'on trouve dans beaucoup de hauls. Apparemment, c'est super bien. Il y a 80 feuilles. Élimine les excès de sébum du visage sans toucher au maquillage. Voilà, prendre une feuille et la tapoter sur votre peau grasse. Convient pour tout type de peau avec miroir. Ah, alors il doit y avoir un petit miroir aussi à l'intérieur. Ah, c'est génial ça. Donc voilà, il y a 80 feuilles. Voilà, donc j'étais toute contente. Ensuite, voici les palettes que j'ai prises, mais bon, je pense que vous les connaissez déjà. C'est celle-ci, voilà. Il y avait l'autre aussi où c'était avec des tons un peu bleus, mais moi, le bleu, j'en mets pas du tout. Ceci, c'est plus mes genres de couleurs. Donc, c'est une palette highlight. Voilà. Donc, voilà, pas très cher non plus. Et je me suis pris la deuxième palette, donc c'est, voilà, vous avez en bas du blush. Je pense que ceci, vous pouvez le mettre comme highlighter aussi. Celui-ci comme bronzer et ceci là, les deux qui sont là, comme blush. Et au-dessus, vous avez tous les fards à paupières. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, si je le mettrais à l'endroit, ça serait un petit peu mieux. Voilà, donc voici la palette. Voilà. Ensuite les loulous, j'étais mais ultra contente de les trouver, c'était les dernières. Alors comment vous dire que j'aimais sauter dessus, hein, n'est-ce pas? C'est, vous savez, les petites brosses pour se maquiller. Vous avez la grosse, la moyenne et puis la toute petite. Je vais essayer d'ouvrir avec vous. Ah, elles sont toutes douces. Oh là, on dirait du velours. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ah ouais, elles sont trop douces. Elles sont super douces, c'est un truc de dingue. Donc là, vous avez la petite. Voilà. Puis ça va, hein, ils ne perdent pas leur poil non plus. Hein. Ça va. Oh, je suis super contente. Ensuite, vous avez la grande. Voilà. Pour le fond de teint, la poudre. Et ensuite, vous avez, hop là, la mini. Voilà. Ah ouais, je suis trop heureuse. Je suis trop contente. Vous voyez, avec un rien, moi, je suis contente. Hein. Je suis trop contente. Donc, voici les trois brosses à maquillage. Voilà, pas cher du tout. Je vous mettrai les prix ici. Alors, les loulous, là, j'étais mais super contente. Je me suis pris une brume body mist. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. C'est celle-ci. Et comment vous dire que quand je l'ai sentie, mais j'ai littéralement craqué, je me suis dit, je vais me la prendre. Donc, vous pouvez l'utiliser soit sur le corps ou sur votre linge de lit, quand vous faites votre lit le matin. Brume pour le lit et le corps. Vaporisez la brume pour le corps sur votre corps ou votre linge de lit pour un effet rafraîchissant. Et comment vous dire que ça sent le frais? Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors maintenant, à voir si l'odeur reste ou si l'odeur en deux secondes voilà, disparaît. Ce qui serait bien dommage. Et puis j'ai aimé, hein, j'ai aimé ce petit packaging un peu bleuté. Voilà. Donc les loulous, maintenant on va passer à la déco. Comment vous dire que j'en ai pas mal. On va commencer par des petites bougies. Donc j'ai pris des bougies Airwick, comme ceci, tout simplement parce que chez Action, elles sont mais beaucoup moins chères qu'à Leclerc, à Carrefour, etc. Elles sentent super bon, donc j'ai pris celle-ci, il y en avait beaucoup, hein. Franchement il y en avait beaucoup. J'ai bien aimé le petit verre.
Donc celles-ci, elles sont ultra bonnes, c'est senteur brise d'été. Voilà. Donc c'est un mélange de vanille, orchidée, c'est une odeur sucrée. Donc si vous aimez les odeurs sucrées, vous allez aimer celle-ci. Voilà. Et donc les loulous, j'en ai pris une autre. Donc c'est une, pareil, une bougie Airwick, mais anti-tabac. Voilà. Parce que moi je ne fume pas, je fume que la cigarette électronique, je sais c'est pas bien non plus, je sais, mais bon. Mais mon homme il fume, et donc j'ai pris cette bougie-là, donc ça coupe les, comment, l'odeur du tabac. Je l'ai déjà achetée, elle est très bien, elle est très efficace, et elles sont super bonnes. Même si vous ne fumez pas, vous pouvez l'acheter hein, tout simplement parce que l'odeur elle est divine, ça sent le frais. Pour un parfum envoûtant jusqu'à la dernière goutte. Voilà. Donc ils disent pas vraiment, c'est aux agrumes. Voilà, c'est ça. Elle élimine les odeurs de tabac et parfume l'air agréablement. Voilà, c'est senteur, on va dire senteur agrumes. Voilà, elles sont ultra beaux. Donc les loulous, on continue avec ces bougies à LED. Voilà. J'adore ces bougies-là. S'il y en a, il y en a 24 à l'intérieur. Vous savez, le petit bouton en dessous, vous l'allumez et ça fait comme une vraie. Vous pouvez même sortir de chez vous et laisser ces petites bougies allumées. Vous ne risquerez pas, voilà, que votre maison prenne feu. Moi, j'en ai tout le temps à la maison. J'en avais d'autres. Celles-ci, je crois qu'elles doivent être blanches. Je pense, blanche, c'est pas marqué. Par contre, j'en avais acheté une fois à Action. Elles étaient, vous voyez, de toutes les couleurs. Celles-ci, je pense qu'elles doivent être blanches ou jaunes. Voilà, je sais pas, je vous le dirai. Mais en tout cas, je suis très contente. En plus, la petite boîte, je vais pouvoir la garder. Donc, j'en suis ravie. Ensuite, les loulous, regardez-moi cette merveille. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais j'adore. C'est un petit vase avec voilà, de la fausse fourrure. Une petite pampille là avec un petit cœur, un petit lacet style corde. Moi j'ai adoré, je l'ai pris pour la mettre dans ma chambre parce que ma chambre c'est voilà dans les tons blanc, beige, voilà. Il n'y a que ma tête de lit qui est noire mais sinon c'est dans ces tons-là. J'ai vu ceci sur le haul de ma belle Miss Gazelle, elle en avait acheté un également. Et je me suis dit, oh là, si je les trouve à Action, il faut que j'en achète un. Et j'en suis, mais très très contente. Par contre, essayez pas trop de le manier parce que voilà, il perd beaucoup ses poils, voilà. Mais voilà, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vais mettre comme ça parce qu'avec le sapin, on voit moins bien. Je sais pas où est-ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre une bougie à l'intérieur. Vous pouvez mettre, voilà, faire genre comme un vase et mettre. Des petites fleurs ou juste le laisser poser comme ça sur un petit meuble et moi je trouve que voilà que ça fait tout son charme, tout son effet. Donc j'adore. Ensuite les loulous, je me suis repris ce sac de 100 petits chauffe-plats. Voilà, ils sont blancs, ils sont pas parfumés, ils sont tout simples. Voilà, parce que moi j'ai des brûleurs, vous savez, à tartelettes. Donc souvent je mets voilà des petites bougies comme ça en dessous. Et donc pareil, hein. Pas très cher. Ensuite, les loulous, je me suis pris cette petite beauté. Voilà. Alors, ce n'est pas un plateau parce que, regardez, là, vous avez un... Comment? Un miroir. Je vais essayer de pas trop vous éblouir. Là, c'est un miroir avec un petit pied. Et ceci, je vais le mettre. Vous voyez, c'est même... Là, vous avez des petites gravures. Je ne sais pas si vous verrez bien avec... voilà, comme ceci. Voilà les loulous, moi j'adore, je sais pas vous, mais moi concrètement, il est magnifique, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le poser sur ma commode, voilà, je vous montre un peu plus près. Je vais le mettre sur ma commode avec mes petits parfums sur le dessus, je pense que ça fera très 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 joli. Ensuite les loulous, je me suis pris pareil pour mettre dans ma chambre, je pense que ça va être sur la table de chevet, parce qu'elle est un petit peu vide. Ceci, voilà, il y a encore le petit plastique devant, j'ai adoré, par contre c'est pareil que l'autre petite déco, ça perd énormément les poils, donc essayez de pas trop voilà, le toucher, le manipuler, sinon vous retrouvez tout plein de poils, donc voilà, c'est cette petite déco toute belle, moi j'adore,
Voilà, donc je vais le mettre sur, je pense, normalement sur ma petite table de chevet. Et puis voilà, ranger des petits trucs à l'intérieur. Moi j'adore. Il y avait aussi un qui était tout blanc, mais voilà, j'aimais moins. Je préférais celui-là, voilà, avec un peu de beige et le blanc au milieu. Et voilà, tout le reste, il est en bois. Et j'adore, j'adore. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Mais moi, voilà, j'ai craqué dessus. Alors oui, Noël est passé, mais je n'ai pas encore donné mes cadeaux, donc je ne les ai pas encore emballés. Je vais les emballer là aujourd'hui ou demain. Parce que concrètement, pour tous ceux qui me suivent, savent que moi, à Noël, je n'avais pas mes enfants. Donc, vu que je n'avais pas mes enfants, j'ai passé Noël toute seule à la maison avec mon homme. On n'a rien fait de spécial avec mes parents, mon frère, etc. Et ma mère m'avait dit, bah, comme tu les as pour la nouvelle année, du coup, on fera vraiment le repas de Noël et le repas de la nouvelle année. On fera les deux en même temps le 31. Donc, c'est là qu'on va se donner tous nos cadeaux. Donc, voilà, j'avais plus trop de papier cadeau à la maison. Donc, j'ai acheté celui-ci en sorte de papier craft. Voilà, avec des petits effets noirs. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, les petits effets noirs. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec, pareil, en craft, mais ça fait, vous voyez, des petits dessins, je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, des petits dessins un peu rouges. Et celui-ci avec des petits dessins verts. Voilà. Ensuite, les loulous pour que ça aille, vous savez, avec les papiers cadeaux, j'ai pris ceci. Voilà, je trouvais que ça se mariait bien. Voilà, ça se mariait bien avec c'était le même style hein, que les papiers. Donc voilà, c'est pour faire, vous savez, les petits zigouigoui, là, je sais pas comment on appelle ça, sur les paquets cadeaux. Voilà. Ensuite, les loulous, je me suis pris, donc, pour le scrap, hein, bien entendu. Donc ça, c'est pas pour ma fille, mais c'est pour moi. C'est un petit, vous savez, les petits cutters, voilà. Donc, pour découper, hein, tout simplement. Donc, il y a plusieurs lames à l'intérieur. Je me suis pris à moi et à ma puce. Hein, tout ce qui est scrap, c'est pour moi et ma puce. À part le cutter, bien évidemment. Je me suis pris du washi tape. Voilà, donc doré, rose et un peu rose foncé. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Je me suis pris... ces petits trucs, vous savez, c'est les petits carrés, là vous verrez pas bien je pense, les petits carrés un peu mousse, voilà, quand on fait des cartes ou des trucs comme ça, pour mettre les choses un peu en 3D, en relief, donc je me suis pris ça. Ensuite les loulous, je me suis pris ces petites breloques, là, ces petites décos, voilà, je les trouvais super mignonnes. Donc surtout le Hello et où il y a marqué Smile. Donc là vous avez Hello et là vous avez Smile. Voilà. Donc je les ai trouvés super jolis. Les loulous, là je me suis pris ceci. Donc c'est un carnet avec plusieurs feuilles de couleurs. Voilà, pour faire des cartes, des plein de DIY, enfin voilà quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître plus le DIY que moi. Moi, je suis novice, hein, je fais des petits trucs, mais bon, voilà. Donc, c'est du papier un peu, vous savez, un peu cartonné. Et puis, il y a des petits effets sur le papier. Donc, voilà, j'adore. Il y a du jaune, vous avez du vert, du rouge, voilà, du crème, du rose. Vous avez pas mal de couleurs. Donc voilà, j'ai pris ça. Les loulous, je me suis pris ce bloc de feuilles. Vous savez, les feuilles colorées là, avec des dessins. Donc je ne sais pas trop comment je vais vous montrer ça. Donc c'est le bloc vintage. Donc il y a ceci, il y a cela, il y a cela avec les petits oiseaux que j'aime beaucoup. Je vais me mettre comme ça. Voilà, que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci qui est super joli. Voilà. Donc ça c'est quand, voilà je vais vous montrer comme ça, donc ça c'est quand voilà je fais des petites cartes, je vous les envoie, bon c'est sûr qu'il y en a qui ont, là c'est une sorte de carte, elle est magnifique celle-ci, elle est magnifique, donc bien sûr il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi, celle-ci est matelassée, elle est magnifique, donc voilà, il en restait plus beaucoup des vintage dans mon action.
Donc je crois qu'il restait celui-là et puis un autre, c'est tout. Et voilà, des vélos, des petits cœurs. Voilà, j'adore. Donc moi, j'aime bien avoir ce genre de choses. Bon, j'en ai pas des tonnes non plus. C'est pour ça, là, je me suis lâchée. Et parce que, voilà, moi, j'adore envoyer des petites cartes. J'adore faire des choses moi-même. Donc, voili, voilou. Ensuite, j'ai pris ce bloc également de papier. Mais voilà, c'est que des feuilles blanches. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai repris encore du washi tape comme ceci. Là, je ne sais pas vraiment si vous verrez bien. Il y a du rose un peu pailleté, un doré et un argenté. Voilà, avec des petits motifs fleurs dessus. J'ai pris aussi ce petit washi tape là. Donc, il est transparent. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Il est transparent avec des petits motifs un peu arabesques. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai pris, alors j'ai pris ces petits pochons parce que ça peut toujours servir dans un concours ou voilà peu importe pour y glisser 2-3 petites choses. Donc il y a le petit, le moyen et le grand. Voilà, donc c'est des petits pochons, tout simple. On dirait même, vous savez, un peu style lin, voilà. Ensuite je me suis pris ces petits ciseaux-ci. Voilà, tout fin. Donc moi j'aime bien les ciseaux comme ça, j'en avais pas. J'ai vraiment voilà un ciseau normal. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal pour vraiment couper à ras ou quoi que ce soit. Enfin, pour faire vraiment des choses assez précises. Donc ensuite, les loulous, je me suis pris du fil. Parce que tout simplement, j'ai une idée qui me trotte derrière la tête que j'ai envie de faire. Je pense pas en faire une vidéo, mais je pense vous en parler comme ça une fois que j'aurai fait ce que je veux faire. Voilà. Et il me fallait donc du fil. Et donc j'ai racheté du fil tout simplement. Ensuite les loulous, je me suis pris ceci. Voilà, c'est des petites lettres en bois. Tout simplement. Donc je les trouvais super, super mignonnes. Il y avait en noir, en rouge aussi je crois. Moi j'ai pris couleur bois. Ensuite les loulous, j'ai pris ceci. Ça ressemble un peu, vous savez, comme le washi tape, mais voilà, il est, on va dire, un peu genre brodé. Voilà, j'ai beaucoup aimé pour mettre sur des petites cartes ou voilà, j'ai des albums photos que je vais un peu personnaliser. Je vais faire également un planeur. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que j'ai acheté vraiment tout ça pour vraiment faire tout ce que j'ai à faire concrètement. Ensuite les loulous, je me suis pris ça, vous savez, c'est les petits strass. Voilà, tout simplement. Il y en a des petits, il y en a des fleurs, voilà. Ensuite, les loulous, je me suis pris ça parce que concrètement, j'ai vu dans une vidéo sur YouTube une femme qui avait fait, qui est brésilienne et qui avait fait un petit truc qui est très très joli. Et donc, bah, moi, j'ai tellement trouvé ça beau que j'ai voulu voilà, reproduire un peu ce qu'elle avait fait. Donc, il fallait que je me trouve ça, je les ai trouvés chez Action. C'est des petites clés. Voilà, vous pouvez même faire, vous savez, en bijoux parce qu'il y a le petit trou en haut pour faire passer le fil. Donc voilà, et en plus elles étaient super belles, donc je me suis jetée dessus. Et je me suis pris des pastels. Voilà, donc ça servira pour moi, pour mes enfants. Donc c'est soft pastel. Voilà, il y en a 24, il y a 24 couleurs à l'intérieur. Voilà, pareil, pas cher, je vous mettrai le prix en haut de l'écran. Donc voilà les loulous, cette vidéo Big Haul Action est enfin terminée. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis littéralement lâchée. Mais ça fait du bien de temps en temps de prendre un peu de temps pour soi, de faire un petit peu de shopping. Là, ça faisait un petit moment que voilà que j'avais pas pris un petit peu de temps pour moi, que je m'étais pas fait plaisir et ça faisait drôlement longtemps que j'avais pas été à Action, alors que j'adore ce magasin, hein, bien évidemment. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains des produits que j'ai achetés, et si vous aussi vous les avez achetés, et si vous les aimez, ou si vous les aimez pas. Dites-moi également pour, vous savez, pour la lingette, là, pour se démaquiller. Dites-moi si avant de se démaquiller, il faut la passer sous l'eau, ou on y va direct, hein, franco comme ça, parce que c'est pas marqué. C'est pas marqué sur la boîte.
C'est peut-être une question stupide, je sais pas, hein. Il y en a peut-être qui vont rigoler. Mais voilà, le ridicule ne tue pas. Sur ce, les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, laissez-moi une avalanche de pouces vers le ciel. N'hésitez pas à venir me rejoindre également sur mes petits réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Voilà, mes petits réseaux sociaux. Je vous laisserai les liens de mes réseaux en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme dit mes chouchoutes adorées Laurie et Letty. Plus on est de fous, plus on rit, et c'est le cas également sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, les loulous, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez. Je vous souhaite également une très belle fête de fin d'année. Que 2018 soit rempli de bonheur, d'amour, de joie, de... pépette, bien entendu, bah oui, parce qu'il en faut quand même, hein. Bah oui, il en faut quand même. Et surtout, 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 que vous ayez une très très bonne santé. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, que tous vos voeux se réalisent pour vous, votre famille, vos amis, etc. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Jingle bells, jingle bells, jingle all.